Bonjour, bienvenue chez moi au Burkina Faso. D'habitude, je travaille à la capitale. Moi, c'est Marie Tou, spécialiste en production animale. Mais aujourd'hui, je vous amène en périphérie de la capitale à Yagma pour rencontrer une éleveuse, femme d'affaires, transformatrice de lait, pour voir dans quelle mesure nous pouvons l'aider à améliorer son activité. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Je connais madame Gariko Korotumu depuis 5 ans. Elle est la présidente de l'Alliance Innovation Durable Filière Lait du Burkina Faso. La demande de lait de madame Gariko augmente et elle souhaite améliorer son activité. Je suis ici pour voir si je peux l'aider à développer son plan d'affaires. Pour le préparer, il est primordial de passer du temps ensemble afin de travailler en détail sur son idée d'investissement. Bien entendu, ces décisions ne sont jamais simples. Elle doit présenter à la banque ou à tout autre partenaire financier un plan d'affaires crédible et clair. Après avoir collecté toutes les informations nécessaires, je peux à présent rentrer les données dans le logiciel Rural Invest développé par la FAO. Il va générer automatiquement le plan d'affaires. Rural Invest est une méthodologie qui systématise l'élaboration de plans d'affaires pour les petits et moyens projets. Il permet une meilleure communication entre entrepreneurs, techniciens et partenaires financiers. Je suis une formatrice et donc renforce les capacités d'autres spécialistes comme moi qui pourront appuyer des entrepreneurs dans tout le pays et au-delà. La méthode permet donc d'assurer des décisions d'investissement mieux éclairées et améliore notamment l'accès au financement. L'objectif de la formation, c'est pour permettre à ces agents d'accompagner les éleveurs sur le terrain. Le logiciel peut être utilisé pour faire des plans d'affaires dans toutes les filières. Production agricole, élevage, transformation ou service. Rural Invest facilite également le suivi et l'évaluation des résultats. La FAO a complètement mis à jour Rural Invest ces dernières années. Que ce soit dans l'approche de formation, le matériel de formation ainsi que le logiciel. Ces changements s'appuient sur l'expérience dans l'ensemble du secteur, allant des fermes piscicoles à la production forestière, en passant par la polyculture au tourisme rural. C'est donc un nouveau logiciel, mais avec un pédigré de 20 ans. Il est rassurant de savoir que l'équipe de développement de la FAO travaille en arrière-plan pour s'assurer que le logiciel et le matériel de formation reste à jour et pertinent pour mon travail. Rural Invest signifie que je peux répondre aux besoins d'entrepreneurs comme Madame Gariko. Tout en gardant à l'esprit le détail et la précision requis par les investisseurs potentiels. Rural Invest rassure tout le monde, pas seulement moi, en me montrant que j'ai bien fait mon travail. Vous aimeriez peut-être l'essayer aussi ?